C'est un coup dur pour le triple recordman du monde de vitesse. Usain Bolt s'est fait arnaquer près de 13 millions de dollars après avoir confié cet argent à une société d'investissement privé jamaïcaine du nom de Stock and Security Limited. Comment le Jamaïcain de 36 ans s'est-il retrouvé dans une telle situation? Vous le saurez dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ce compte constituait la retraite de M. Bolt et son épargne à vie. C'est une nouvelle affligeante pour tout le monde et certainement pour M. Bolt qui a établi ce compte dans le cadre de sa pension privée. Ce sont là les propos du manager de Usain Bolt, Nugent Walker, concernant la terrible nouvelle qu'a reçue le sprinteur jamaïcain sur la disparition de son agent. En effet, le champion mondial des Jeux olympiques à la retraite aurait investi l'argent avec la société Stock and Security Limited il y a plus de 10 ans et la somme aurait disparu à cause d'une fraude. 12,8 millions de dollars, une somme que le champion du 100 mètres, 200 mètres et du relais 4x100 mètres avait épargné pour mener à bien sa retraite. Une pléthore de médias ont réagi à cette situation qui est aussitôt devenue virale sur les réseaux sociaux. Néanmoins, l'athlète international n'est pas resté les bras croisés et a aussitôt alerté la commission des services financiers de Jamaïque qui a mis sous surveillance renforcée l'entreprise. Il met également un ultimatum à la dite société, à savoir, si le 26 janvier prochain, la somme n'est pas restituée, il portera plainte pour négligence. Usain Bolt est l'un des athlètes les plus titrés de l'histoire des Jeux olympiques en sprint avec 8 médailles d'or et 11 victoires. Il est le premier athlète à détenir simultanément les records du monde du 100 mètres, 200 mètres et 4x100 mètres. Il est également le seul athlète à avoir conservé deux titres individuels en sprint sur 3 Olympiades consécutives. Des Jeux olympiques de 2008 aux Jeux olympiques de 2016, Usain a gagné 19 titres olympiques et mondiaux sur 21 épreuves disputées. Ses records du 100 mètres et du 200 mètres datent des championnats du monde de Berlin en 2009, alors que celui du 4x100 mètres est battu lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. Usain Bolt, après sa retraite sportive à l'issue des championnats du monde en 2017 à Londres, où il s'octroie la médaille de bronze sur 100 mètres derrière Justin Galtin et Christian Coleman. Il se blesse en finale du relais 4x100 mètres le 12 août 2017 pour la dernière course de sa carrière. En 2018, il tente de se convertir dans le football et s'entraîne avec Borussia, puis avec le club norvégien Storms Galseth. Finalement, il réalise le test en Australie avec le Central Coast Mariners Football Club. Mais il n'arrive pas à ses fins car il est libéré de son contrat avant le début du championnat. Si vous avez aimé la vidéo, likez et laissez un commentaire.